test qui suit comporte une plaque de foie aérienne d'Aperture Science. Elle faisait partie d'une expérience visant à tester les facultés logiques de sujets catapultés dans les airs. Les résultats ont été très probants. Le catapultage inhibe la logique. Bonne chance. Saviez-vous, ce que vous respirez n'est pas vraiment de l'air. Il revient trop cher à pomper. Nous prenons le dioxyde de carbone d'une salle, que nous assainissons et réinjectons. En fait, vous allez respirer le même air pour le restant de votre vie. Intéressant, non? Passons au test suivant. Tiens, des plaques de foie aériennes avancées. Bon, amusez-vous bien à fendre gaiement les airs. Moi, il faut que j'aille dans l'aile qui était faite entièrement en verre, pour ramasser 60 000 mètres carrés de verre brisé, toute seule. Je n'ai pas fini de nettoyer les salles de test. Du coup, il reste parfois des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité. Tâchez d'éviter les déchets qui foncent sur vous. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité? C'était une métaphore. Je faisais implicitement référence à vous. Et je suis désolée. Vu votre manque de réaction la première fois, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation. Ce qui aurait rendu les présentes excuses absurdes. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. Le saviez-vous? Les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises car elles... Pardon, je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Oh, l'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test? Désolé. Retournez en prendre un autre. Zut, je l'ai détruit aussi. Pas grave, nous en avons plein les entrepôts. Aucune valeur marchande, vous m'en débarrassez. Thank you.
Oh, chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie, pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. Je crois que celle-là allait vous avouer sa flamme. Bien sûr qu'elles ont une conscience, mais il y en a tellement. Le prochain test fait intervenir des grilles d'émancipation, vous vous souvenez? Je vous en ai parlé dans la dernière zone de test qui n'en comportait pas. Oh non, encore les turbines. Je dois vous laisser. Ah, mais c'est vrai, il faut expliquer le prochain test. Je vous donne la version courte. Voilà, si vous avez des questions, repassez-vous mes instructions au ralenti. Testez à l'instinct, je reviens tout de suite.